Et salut tout le monde, c'est Darkshore. Aujourd'hui, je vous présente le 22e épisode sur l'SP de Terraria. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'on va tuer le ma Plantera. Qu'est-ce que ça fait ça ici? Je le range, je le range. Ouh, il me reste plus beaucoup de balles, donc. Donc je pense que je vais peut-être faire des balles avant. Non, je sais pas. Donc dans cet épisode, j'aimerais vraiment, mais vraiment me faire le Plantera, donc je vais tout faire pour l'essayer, pour essayer de me le faire. J'espère que je vais pas me faire défoncer, hein. Ce serait humiliant de me faire encore plus défoncer que si j'étais, enfin parce que là, je suis largement meilleur stuff qu'avant, et ce serait humiliant de me faire plus défoncer. Très humiliant. Donc, j'ai pas grand chose à dire hein, dans cet épisode, juste que j'essaye de me faire au planterage. Je vois que j'ai pas mal d'âmes. Ce serait bien que je me refasse les twins quand même. Mais c'est le matin, c'est le matin. Donc, c'est un petit peu fichu. Je vais me rendre à la jungle, hein, parce que j'ai besoin de chlorophyte pour me faire des balles, qui sont quand même balèzes. Donc, je me demande comment on les fait d'ailleurs. Donc, oh là là, mais qu'est-ce que ce long pourra là, cette jungle? Des balles, celle-là faudra que je les range, hein. Des meteor shots, oh, parce que là, je sais pas ce qu'il fout dans mon inventaire. Ouais, plus tard, plus tard. Oh, c'est qu'elles font mal ces explosifs, ces balles explosives. Bon, quand même. Ce serait mieux les balles en chlorophyte, surtout que les balles en chlorophyte suivent leur adversaire. Donc je pourrais pas en louper une. Ah mais c'est moche la l'eau en full stuff. Enfin, surtout le casque est moche. Surtout quand il est bleu. C'est un petit peu logique. Donc je vais essayer une nouvelle série Castle Crasher. Donc regardez une vidéo sur YouTube, hein, n'importe laquelle, une qui illustre bien le jeu. Pour vous montrer à quoi il ressemble. Je crois que c'est tout. Je vais peut-être vous le redire dans la vidéo parce que je suis un petit peu con. Donc c'est bon, on est dans la jungle, dans la grotte. J'ai pas beaucoup de torches, j'en ai donc. Ah, j'ai qu'un glow stick. J'espère juste pas me faire défoncer par les mobs et surtout par mes propres balles. Parce que les explosifs balles me font très mal à moi-même. Ah oui, parce qu'à chaque fois que j'en loupe une et quand je mets une à terre, je me prends 22 dommages. Je coupe 5 secondes et je reviens juste après. Re tout le monde, après cette petite interruption, je vous retrouve juste après. Donc l'épisode 22, ouais, c'est ça. Donc je suis toujours dans la jungle. Toujours en recherche de chlorophytes. Enfin mon premier mimic va être mouru. Donne-moi quelques. Oh là là. Chiant. Bon, hop. Voilà, au moins c'est offensif, ça fait mal. Putain, je croyais que c'était un mousseur net ça. Oh! J'aurais eu le truc en oricalcum avec sur l'effet carnage. Faut vraiment de la chlorophyte vite fait pour me faire les balles. Parce que je compte me faire des balles en chlorophyte. Pour me faire le plantera, parce que là j'ai vraiment pas beaucoup de balles et je vois pas quel autre type de balles je pourrais me faire. Ah! Je l'avais pas vu celui-là avant. Sans doute parce qu'il n'y était pas. Vu que ça réagit à la lumière, en fait, ça doit apparaître petit à petit. En fait, ça ne doit pas se créer petit à petit. Je pense que ça apparaît petit à petit au fur et à mesure que c'est exposé à la lumière. À moins que c'est le contraire. Petit à petit où c'est pas exposé à la lumière, ça apparaît. C'est peut-être ça. Ou pas. Mais en gros, ça se crée pas, ça apparaît. Donc si on met par exemple de la boue au pif, et bah. Si c'est pas de la boue chlorophyte,
Et ben ça marche pas. Non, je sais pas, j'ai pas encore vu de page là-dessus qui résolvait le problème du à quoi réagit la, enfin, de quelle façon réagit la chlorophylle à la lumière. Donc si quelqu'un trouve, juste à mettre le lien dans la description, je vais checker ça plus tard. Mais bon, sans doute va pas le faire. Personne ne va le faire, je pense. Oh! Ouais, ça envoie pas mal d'étoiles, hein. Shooting star! C'est kiffant. Moi, ils me font plus trop mal. Donc toujours les tortues, hein, ils me font du... Oh, tortue de shell. Donc ça, c'est la meilleure armure pour les cacs. Ça envoie 100% de dommages à la personne, je crois. Mais ouais, lol. Enfin, pas en PVP, hein, juste 100% des dommages. Par exemple, s'il me faisait 20, et bah il se reçoit 20 dans la gueule. Bim! Direct, comme ça. Comprennent rien à leur life. Ça, c'est un orné tout seul. Envoyez-moi des dards, non, des fois. Enfin, non, des dards... l'objet, hein. Parce que des dards, j'en reçois bien assez. Juste me looter des dards de temps en temps, ce serait sympa. Que là je vais vraiment me faire ma True Night Edge malgré que j'ai pas encore l'épée. Enfin, juste avoir la Night Edge serait cool et rassurant. Oui, rassurant, ça pose un problème, c'est ça. Casse-toi, ça fait pas de lumière. Oh, pourquoi c'est bloqué? Oh putain, ils sont fait violer. Et moi aussi. En passant. Cassez-vous. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Putain. Ah d'accord. Comment je suis passé? Oh là là. Le viol. Mais le viol, ça me saoule là. Faudrait peut-être que je sorte mon épée. Non. Va te faire foutre. Nahaha. Je vous gère. Hop, ça passe. Majuscule pour checker directement sur la pioche. J'ai pas de... Non, j'en ai pas. Wow. Eh bah merde, je suis mort. Éviscéré. Ah bah, c'était rapide, hein. Non. Je vais juste voir ce que c'est, ces trucs de dard. Ah ouais, mais Stinger. Ah non, on va te faire foutre. Hein? C'est passé quoi là? Hop. Donc, ça se fait comment ce truc? Peut-être des amtibulettes. J'espère que ça va en faire légèrement plus parce que j'ai vraiment pas beaucoup de... Make it quick. Mais je fais ce que je peux, hein, connard. Je vais me faire défoncer. On respawn pas tous les jours, monsieur. 3 stingers. Ça me fait combien en tout? Là, j'en ai 4. J'en ai... Ça fait 6. Je pense que je peux me la faire, hein. Non, pas encore. Il me faut quoi d'autre? Il me faut quoi d'autre, jeune guide? Crafting. Stinger. Il m'en faut 15! C'est quoi ce bruit? Dark. Du bruit que je fais des fois. C'est chaud. Donc... J'ai pas des stingers quelque part là. Enfin, début du jeu, je suis jamais allé dans la jungle. Et ça m'a coûté cher. En temps. Ça va me coûter cher en temps. Boum. Oh bah ça va me coûter très cher en temps. Que j'ai eu du mal à avoir tout ça. Ah, là, je peux me faire un lingot.
Donc guide. Comment je me fais ces chlorophytes bullets? Si je peux en faire au moins. Musket ball. C'était si simple que ça. Bon. C'est pas grave. Si on peut en faire 70, j'en ai acheté. Voilà, 600. Voilà, bah c'était largement trop. Inter boulette à 20. Enfin, je vais juste voir à quoi elle ressemble. Oh, classe. Classe. Non, ah, hop. Voilà. Vraiment, quand j'ai plus rien comme item, je peux même pas l'utiliser. Pot. Guide, qu'est-ce que je peux faire avec ces fucking empty bullets? Des nanobullets, je crois pas encore avoir le cyborg. Confetti, j'ai pas la party girl. Mais je vais voir ça tout de suite. J'ai pas le cyborg. J'ai pas la party girl. Donc tout ce que je peux me faire, c'est ça. Comment c'est Vial of Venom. Les amis, je vais voir ça tout de suite. Je reviens. Bon, tout le monde, j'ai trouvé bah, comment les Vial of Venom, bah ils sont. Je les achète. Après avoir tué le planteur. Voilà. C'est génial, hein. Bah oui, c'est génial, j'en étais sûr. Putain de merde. Je vais tout simplement garder les ces putains de. Je dis beaucoup de crocs. Donc je vais garder ces bidules bullets. Oui, c'est bidule bullets. T'as un problème? Lol. Bah putain. Hop. Hop, tac, là. Hop. Non, je peux pas encore. Musket bullet, là. Archerie potion, ça sert à rien. Toi, tu restes. Toi, tu te casses. Toi, tu te casses. Toi, tu restes. Tu viens. Mon micro est bien devant ma bouche. Comment vous entendez ma voix? Magnifique. Oups. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh mon dieu. Dark Tempest of... C'est pas possible que je sois pédophile vu que je suis encore un enfant. Qu'est-ce que je peux bien dire des fois? Donc... Vu que Plantera, on peut le niquer quand on veut. Ça paraît un petit peu bizarre, non? Ah, attendez, je... Oui, ça paraît bizarre. Je sais pas pour vous. Ah, oui, du docteur, il est bien là. J'ai toujours... à chaque fois, je dis... Ah, mais si je faisais une nouvelle maison... Bah non. Non. Blogen. Blogen. Donc... Slow speed, va te faire. Putain. Donc, je sais pas si je l'ai fait en off ou mes maisons ou pas. Hein. De toute façon, de la merde. Alors, hop, trois maisons. Hop. Donc, j'espère que personne va m'interrompre parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a un pack qui vient de se connecter parce que vous m'envoyez quelques messages. Donc... C'est pas encore nuit par la puissance, non toujours pas. Enfin, je devrais l'entendre à la musique, sauf que on m'a dit de baisser le son de la musique. Je l'ai baissé hein, mais j'entends presque plus. Hop. C'est swag, non? Yeah, water, merde, non, revenez. Il y a une fée. Souffre. Merde.
Mange ça dans ta bouche. Oh, oh, ça one shot. Oh, parce que c'était un critique, ok. Il fait nuit. Boum. You don't have permission to summon a boss. LOL. Bon bah les amis, je viens de me faire niquer. Je viens de me faire bien niquer là, vous voyez. Donc ça me dégoûte. Sniff. Donc mes twins, bah... voilà. Hein. Je ferai en sorte de que dans le prochain épisode, vous allez voir un œil dans mon inventaire, ok. Sans cheater, bien sûr. Rien qu'avec la puissance de la pensée. Je vais leur faire... Bah, très bien, je sais plus parler. Rien qu'avec la puissance de la pensée, je vais le refaire réapparaître. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais elle fait mal cette épée. Elle sert absolument à rien, mais elle fait mal. Enfin, c'est pas logique ce que je dis. Elle sert à rien, mais elle fait mal. Non, c'est pas logique. Enfin, les épées commencent à être puissantes à partir de quand il y a de la magie avec. L'Excalibur, il n'y a pas de magie. Donc elle n'est pas puissante. Elle est juste automatique. Cette épée, bah, elle n'est pas automatique, mais elle est puissante. Parce qu'elle a un sort. Qui fait pratiquement plus mal qu'elle. Donc ça fait qu'en fait elle fait deux coups. Sachant qu'elle fait plus mal que l'Excalibur. Ah non. Donc. Et après la Terra Blade, c'est exactement pareil qu'elle. Sauf qu'en fait elle envoie vraiment une grosse épée. Ça c'est juste une petite boule de merde. Hop. Il est où déjà mon petit bulbe Plantéras bulbe? Non, soul. Ah. Casse-toi sale tortue, tu me pues. Cette vidéo, je pense que vous l'aurez à 19h. Je pense, hein. Re les amis, donc je viens de me faire un petit peu interrompre. Donc je vais avoir un petit problème. Donc je coupe la vidéo à partir de ce moment-là. Je vous retrouve dans quelques instants. Salut. Re tout le monde, c'est Arcades encore une fois. Donc après que les problèmes aient disparu soudainement, bah je vous retrouve juste pour bah, taper ce bulbe là. Ce magnifique bulbe. J'ai eu énormément de mal à récupérer rien que 200 PV. Donc j'espère que je vais pas trop avoir de problème à le tuer parce que j'ai failli tuer mourir dans la jungle. Oh. Ah d'accord. Ouais. Hop, j'y vais. Donc mon arène elle est légèrement plus loin. Non. Qu'est-ce que j'ai dans la main? C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut dans la main. Donc ici on est passé beaucoup de fois et... Hop. J'espère juste que je vais complètement le violer. À moins que je me... à moins que je ne me fasse complètement violer à mon tour. Que j'aille même pas genre... Parce que là j'ai une arène de merde. Mais une arène merdique. Et je vais chercher plus loin. Déjà ça c'est mieux. Ah c'est largement mieux comme arène. Tout de même assez petite, mais sans vraiment d'endroit où je peux tourner en rond pendant quelques minutes. Mais c'est assez grand pour pas que je me fasse taper par ces petites boules géantes. Hop. Oh ma vie. Voilà bah. Je me suis fait violer. Qu'est-ce que c'est énervant des trucs comme ça. J'y arrive bien un coup et puis ensuite je réessaye avec un largement. Et en stuff et je me fais complètement violer. Enfin comme j'avais dit, je reposais sur la régénération. Mais j'ai pas trop envie d'en fait de retourner sur mon stuff en palladium. Parce que ça me donne beaucoup moins d'armure. Il me semble. Hmm. Moins d'armure donc je me prends plus de dommages. Oh, je sais pas ce que j'ai eu d'un coup. Un freeze dans ma tête. Bim. C'est d'un coup. Juste essayer ces fucking balles. Piou. Juste à quoi elle ressemble quand elle trace quelqu'un. Voir si c'est fluide ou si c'est bim d'un coup. Bon.
Cache spawn mob. Qu'est-ce qu'il y a comme mob qui ne loue. Ah bah voilà. Benny. 100. Ah, j'ai pas le droit. Ah, t'es sérieux? J'ai le droit d'invoquer d'invoquer le Plantera avec son. Oh! C'est bizarre. Slash spawn mob. Bunny. 10. Et j'ai banné. Bah. Ces arbres, hein. Oh. Attends. Oh! Oh, c'est classe! Ah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est que sur un mob agressif, mais... Classe, classe. Sur le lapin, ça marche pas. Sniff. What about? Je vais peut-être vous faire un let's play sur Castle Crasher. Donc, bah... Regardez une vidéo pour voir si le jeu vous plaît. Si oui, dites que vous voulez faire un let's play sur Castle Crasher ou pas. Pour l'instant j'ai encore fait aucune vidéo dessus. Sans faire exprès j'ai reset toutes les données du jeu donc je me sens bien niqué, mais toujours un let's play dessus c'est pas mal. À quoi vous servez vous deux là? À quoi vous servez? Waouh, une boîte à musique. Je me dis bien de me faire un petit sort. Parce que la magie c'est toujours cool, hein. Bah c'est toujours cool. Surtout que c'est dur de tuer Plantera avec des pré-Plantera items en fait. Il faudrait une death sight, mais pour l'avoir, il faudrait que je fasse une éclipse solaire. Ce serait cool qu'il y en ait une comme ça d'un coup. Bim. Je claque des doigts, il y en a une. Mais bon, on n'a pas. Attends, je te prends, attends, je te prends. Ah oui, tout à l'heure, mes twins se sont fait direct des spawns parce que j'ai pas les droits de faire spawn à un mob. C'était génial. Âme de vision 30 éclats de glace, carne. Non, je suis pas des licornes, je suis pas un fou, je suis pas un fou. Non, j'ai gueule, je suis un fou. Âme de la nuit, 12. Oh, ça va être chiant. Autant faire un magnifique petit... Ah, d'accord, je comprends. Un flamethrower, donc un magnifique petit flamethrower. Et il y avait tout ce qu'il me fallait pour faire le flamethrower. Enfin, pas tout. J'avais dit que je farmerais tout. Je l'ai pas fait. Parce que j'ai oublié, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ah, faudra surtout pas que j'oublie. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai oublié. Farm en buffer. Allez, ouais. En accéléré. Avec une musique. Ah, c'est bon, on a fini sur un militaire, on va voir. Non plus, je suis sérieux. Bah, c'est bon, on a fini notre récolte acharnée de fer. Voilà, on a une barre. Voilà. En plus, je crois qu'il m'en faut deux. Non, j'avais un souvenir qu'on avait 19 barres.
Bon, bah vu qu'on est tout près d'un accéléré, on en fait encore un autre. Je déteste ces putains de frelons. Ah, qu'est-ce que je suis nul. N'est-ce pas, je vais essayer de faire, je pense. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est sûr, je vais essayer de faire. Boum. Et voilà, un lance-flamme voyant. Il est voyant. Quoi, j'ai que 23... Ah, j'ai pas amené tout mon slim. Slim. Prends. Slim. 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 Slim, ah bah voilà, j'ai bien ce que je disais, j'avais 18 litres d'or. Oh, putain mais qu'est-ce que je suis con. Je suis con. Je me lamente de ma connerie. Oh. Où elle est? Je crois que j'ai vidé mes stocks de slim. Hein. Ah, j'avais des slims se disperser partout là. Yeah. Yeah. Oh, bah déjà, ça fait déjà plus de slim. Hop, dans les munitions. Je suis la jap. Et merde, ça passe pas à travers le mur. Je suis ton fatou flamme. Bah au moins ça me fait une arme en plus. Je suis content. En plus, j'ai 25% de chance de pas utiliser de munitions. Donc de temps en temps, vous allez voir que je n'utilise pas de munitions. Genre maintenant. Voilà, là j'ai pas utilisé de munitions.
Là non plus, pendant très longtemps d'ailleurs. Merde. Ouais. Et putain. Je suis pas content. Je suis content, mais je suis pas content. Bon, je pense que je vais vous laisser là-dessus, parce que là je suis assez fatigué. Après ce qui s'est passé, il me faudrait un petit peu de temps libre. Salut, n'oubliez pas de passer une bonne journée, de lâcher un commentaire pour laisser la chaîne vivre. Salut.